Bonjour à toutes et à tous, c'est FNXP54 pour ma première vidéo sur le multi de Call of Duty. Donc là j'ai joué une partie, elle a pas commencé en fait depuis... Là il y a le premier instant seulement, donc c'est sur des rails. Salut tout le monde, c'est FNXP, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée. Donc c'est sûrement ma dernière sur Call of Duty Modern Warfare 2, étant donné que Black Ops va sortir vraiment d'ici. Salut tout le monde, c'est FNXP, vidéo enfin sur Call of Duty Black Ops. J'avais regardé sur le site de stade de Black Ops, la Dunkerson, et vu qu'il n'y a plus force de position, autant prendre l'arme qui a une meilleure cadence de tir, parce que les balles fassent 35 de dégâts ou 30 de dégâts, ça revient au même, parce qu'il faut, tout de même 3 ou 4 balles pour tuer. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Donc là, t'obtiens ton drone et c'est la seule fois de la... Salut tout le monde, c'est FNXP et aujourd'hui je fais cette vidéo pour remercier les plus de 1000 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Encore une fois, merci à tous d'être toujours aussi nombreux à commenter, noter mes vidéos. Salut tout le monde, c'est FNXP, aujourd'hui on se retrouve avec Bullbiche. Salut tout le monde. Pour un petit duel commentary en live. Ouais, alors en capture de drapeau ça va pas être évident. Ouais, parce que tu m'as dit que tu avais jamais joué dans ce mode de jeu. Non, jamais, parce que en fait les matchs objectifs. Salut tout le monde, c'est FNXP, aujourd'hui on se retrouve pour une petite qualité test de mon HDPVR. Et oui, j'ai enfin un HDPVR. Bonsoir les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite bombe web à la SM901. Alors la SM901 c'est vraiment un fusil d'assaut que j'apprécie parce qu'on le retrouve assez peu sur le multijoueur. Il est assez puissant, mais son gros défaut c'est qu'il a pas mal de... Salut tout le monde, c'est FNXP et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour l'épisode 3 de la série Astuces Armes sur Black Ops 2. Et aujourd'hui je vais vous parler du fusil sniper XPR 50. Alors il se débloque au niveau 52. Et voilà, 50 000 abonnés. Et honnêtement je tiens vraiment à tous vous remercier pour les messages que vous m'envoyez, pour les commentaires, les likes que vous pouvez mettre sur mes vidéos. Parce qu'honnêtement c'est vraiment grâce à vous que j'en suis arrivé là. Si on m'avait dit il y a 2 ans quand j'ai commencé mes vidéos que j'allais avoir 50 000 abonnés 2 ans après, honnêtement j'y aurais pas cru. Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai commencé alors que j'étais seulement âgé de 13 ans. Je suis mis avec une pauvre caméra qui malgré tout avait une qualité pas mal, hein, vous avez pu le voir. Pour une caméra les gens me disaient que c'était quand même pas mal. Mais bon, c'était pas le top, franchement, c'était vraiment la galère pour faire les vidéos. Je devais installer la caméra sur des coussins, enfin réussir à caler tout ça. Et honnêtement, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu avoir 50 000 abonnés. Surtout quand on pouvait voir à mes débuts tous les messages méchants de personnes qui me critiquaient. Honnêtement, jamais j'aurais pensé avoir 50 000 abonnés. En plus de tout ça, à l'époque, 50 000 abonnés, c'était même pas dans les cordes de youtubeurs qui faisaient des vidéos sur les jeux vidéo. À part peut-être le joueur du grenier, je sais pas combien d'abonnés il avait à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, YouTube, c'est vraiment... agrandi en ce qui concerne la communauté française des jeux vidéo. Parce que pour vous dire, à l'époque Diablo X9 avait 3-4 000 abonnés. Et 3-4 000 abonnés à l'époque, ça faisait le même effet sur les gens que 900 000 abonnés, ce qu'il a à l'heure actuelle. Donc on peut voir que YouTube ça s'est quand même bien agrandi. Et malgré tout ça a quand même toujours été Diablo X9 qui a, je veux dire, dominé cette communauté. Et c'est en regardant le nombre d'abonnés qu'il a qu'on se rend compte quand même qu'il y a eu une sacrée évolution. Quoi qu'il en soit, à l'occasion de mes 50 000 abonnés, je vais effectuer 3 vidéos. Celle-ci, c'est la première. Et dans ces 3 vidéos, vous allez avoir la possibilité de gagner différents lots. Et pour ça, je tiens vraiment à remercier Warren de Sponsor For You qui a réussi à m'en procurer la plus grande partie. Ainsi que les partenaires qui sont Avermedia, Gamoniac ainsi que Steel Gamer. Dans cette première vidéo, les lots à gagner sont 2 Avermedia Game Capture HD ainsi que 2 t-shirts qui vont avec. Et des centaines de bons d'achat de chez Gamoniac. Alors pour participer en ce qui concerne l'Avermedia, il vous suffit simplement de mettre un j'aime sur la vidéo, très important. Comme je vous l'ai dit dans mon précédent concours, je peux aller vérifier dans votre flux si vous avez mis j'aime, et si vous l'avez pas mis, je refais un tirage au sort. Ajouter la vidéo aux favoris et mettre un petit commentaire en disant je participe. Voilà. Pour les bons d'achat Gamoniac, ce que je peux vous dire c'est qu'il y en a des centaines à gagner et tous les participants auront un lot. Pas forcément le gros lot de 60-70 euros, mais un petit bon d'achat de 7 euros, quelque chose comme ça, qui va vous permettre de vous inscrire sur le site Gamoniac, qui en fait est un site que je trouve assez intéressant. C'est vrai que généralement, moi, quand j'achète mes jeux
Ce qui se passe, c'est que je vais jouer peut-être pendant, je sais pas, 2 semaines, quelque chose comme ça. Et après, je les mets de côté. C'est ce qui se passe généralement avec les jeux où il n'y a pas forcément de multijoueurs qui tiennent la route, on va dire. Et l'avantage de ce site-là, c'est que vous allez vous abonner, par exemple, un abonnement. Je crois que leur abonnement simple, il coûte aux alentours de entre 5 et 10 euros, je sais pas exactement. Mais avec cet abonnement-là, eh bien, vous allez avoir la possibilité d'emprunter des jeux. Et une fois que vous avez fini le jeu, vous le renvoyez. Et puis après, ils vous renvoient un autre jeu, ainsi de suite. Donc c'est très bien pour les personnes qui n'auraient pas forcément un énorme budget, mais qui adorent jouer aux jeux vidéo et qui sont un petit peu comme moi, c'est-à-dire qui jouent au jeu mais qui ne jouent pas pendant 2 ans ou quelque chose comme ça, ou pendant 2 mois. Donc je trouve ce site assez intéressant. Je tiens vraiment à les remercier pour les bons d'achat. Ça va vous permettre, si vous le souhaitez, d'obtenir des réductions à l'occasion de votre abonnement. Et également, il y a différents lots. Donc parmi les plus gros lots, il y aura un jeu de votre choix à gagner, des bons d'achat de 50, 40 euros, enfin voilà. Alors pour participer au concours Gammoniac, c'est très simple, il y a un lien dans la description qui mène en gros sur comme une page qui a été créée par le site Gammoniac. Donc vous cliquez sur ce lien, et une fois que vous aurez cliqué, eh bien vous aurez 2 questions à répondre, et quand vous répondez à ces 2 questions, eh bien on va dire que votre participation est prise en compte. Après, il y aura un tirage au sort et on vous contactera, puisqu'on va vous demander votre adresse email. On vous contactera et on vous remettra votre lot. Voilà. Alors encore une fois, un grand merci à tous les partenaires à Avermedia. Donc en ce qui concerne le Game Capture HD de chez Avermedia, enfin les 2 Game Capture HD de chez Avermedia qui a gagné. C'est un des appareils de capture que j'utilise à l'heure actuelle. J'en ai 2, j'ai le HD PVR et le Game Capture de chez Avermedia. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai cramé mon PVR, donc depuis j'utilise cet Avermedia. Et l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un PC à côté de vous pour filmer. Il vous suffit simplement d'avoir un disque dur ou une grosse clé USB et de brancher tout ça à l'appareil. Il filme en 1080p et en MP4. Donc le MP4, c'est un très très bon format, c'est pas trop lourd et c'est de bonne qualité. Voilà. Donc à côté de ça, pour les personnes qui ne viendraient pas à gagner le concours, et même pour ceux qui gagneraient s'ils souhaiteraient acheter un nouvel Avermedia, j'ai un code promotionnel qui va vous permettre de toucher votre Avermedia de chez Game Capture en le commandant sur Amazon avec 20 euros de moins. Donc je mettrai le code promotionnel dans la description. Alors si vous aviez l'intention d'acheter ou d'offrir à quelqu'un un Game Capture HD, eh bien vous allez sur Amazon et avec ce code promotionnel, eh bien vous allez avoir 20 euros de réduction. Donc le Game Capture HD doit coûter aux alentours de 100-120 euros à l'heure actuelle, quelque chose comme ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Bonne chance à tous. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, d'ajouter la vidéo favori et un petit commentaire disant je participe. Et d'aller également trouver le lien du concours pour gagner des bons d'achat de chez Gammoniac dans la description. Voilà, on se retrouve bientôt pour la suite des vidéos spéciales 50 000 abonnés. Allez, bye tout le monde.